ici, vu que c'est le temps des fêtes, hein, on a ici un tour avec un verre et une bouteille et deux tubes. Le jeu ici est de suivre ici le verre et la bouteille. OK. J'utilise deux tubes. OK, pour aujourd'hui. Juste ici, il faut suivre. OK. Je vais faire voyager le verre à la place de la bouteille à la place du verre. OK. OK. Et regardez bien seulement quand cliquant les doigts, je le fais voyager. On regarde ici maintenant. Vous avez la bouteille qui est rendue maintenant, c'est le verre, et l'autre est rendu à l'autre place. Le plus dur, c'est de cliquer les doigts comme ceci et de la faire venir à leur place initiale. Voyez-vous? OK. Ouais. Juste en cliquant. Et sont revenus à leur place initiale. Oui, mais là, c'est plus ou moins impressionnant. Ça, oui. Okay, on a wood de ce côté-ci, c'est quand même moins impressionnant. Je vais le faire magiquement. Je fais juste comme ici. Si on regarde ici, vous voyez la bouteille qui passe ici à la place du verre, le verre à la place de la bouteille. Pour ça, j'utilise ici un tube vide. Je place ici. Oups. Excusez. Il y a une bouteille de trou. Je place ici juste par-dessus. Vous avez ici la bouteille à la place du verre. J'utilise ici un tube vide et... Oups, ça va vite, ça va vite, là. Une bouteille ici. En recouvrant comme ceci, vous avez ici le tube à la place. Pour ça, je place ici le tube ici. Je vais juste utiliser... Excusez. La bouteille de trop. Seulement qu'ici, en le passant par-dessus, vous avez ici la bouteille à la place du verre et le verre ici. J'enlève ici la bouteille. En le recouvrant ici, vous avez la bouteille à la place du verre, comme j'avais dit, le verre ici. Si j'enlève la bouteille ici, je sais souvent, on dit, c'est à cause la bouteille ici qui est dure à suivre. Elle est assez dure à suivre, oui, la bouteille. Peut-être enlever la bouteille. Ils sont toujours même pas dans tes manches, c'est pas la grosse version. Bouteille qui est rendue ici. Je sais qu'on dit souvent, peut-être si, vu que c'est les fêtes, peut-être si on prenait un petit verre. Ben voyons donc. Parce qu'il y avait quelque chose en plus dedans. Santé aujourd'hui. Santé. En tout cas, si tu vois tout ça, tu prendras mes rouges. C'est impressionnant. Bravo, Pour celui-ci, 6, 7, 8, 9. Pour celui-ci, regardez bien, je vais juste placer ici le foulard à l'intérieur. Seulement qu'en faisant comme ceci, vous avez ici le foulard ici qui apparaît. Ici. Je vais enlever ici le foulard, le placer à l'intérieur, placer ici le tube vide par-dessus. Juste une minute, je vais enlever la bouteille. Ça va être plus facile à suivre comme ça. Je pense que j'y ris pas de nous autres. Seulement quand vous voir, vous avez ici le verre et la bouteille qui a changé de place. Je place le foulard ici. Gagez donc, il y avait une bouteille avec un foulard rouge. Placez ici le tube. Et... je vais juste enlever la bouteille là-dedans. Mais oui, c'est la modification des vins. Il faudrait que tu fasses le mélange de tes cylindres à un moment donné. En faisant comme ceci, en recouvrant, vous avez ici le foulard grandi. Peut-être si j'enlevais les foulards. D'après moi, ça ne changera rien pour nous autres. On ne comprendra pas plus. Et on va toujours avoir l'air pour mettre des fous. Ah, vous avez dit que ça ne change rien, mais d'abord, je peux juste en recouvrant comme ceci, refaire réapparaître ici le foulard. Je vais me débarrasser ici du foulard. Je sais souvent, on me dit que ça cause la bouteille, on a mis à suivre. Peut-être si on prenait un petit coup, ça serait Non, non, non! Mais comment il fait ça? C'est pas nous autres qui avons un petit coup pourtant. Est-ce qu'on se fait rien? Et voilà le tour ici des bouteilles. Wow! Bravo! Bravo! Bravo!